Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogit. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogit. Et cette semaine, j'ai voulu réfléchir à un problème important, j'ai voulu aider le monde, j'ai voulu régler un problème majeur. Alors évidemment, j'aurais pu penser à lutter contre la faim dans le monde, à arrêter la guerre, mais c'est des sujets un peu simples auxquels tout le monde pense au premier abord, donc je suis allé plus loin. Et j'ai trouvé une problématique qui touche tout le monde. Enfin, la moitié de la planète qui a les moyens de faire les magasins en cette période de Noël, c'est-à-dire comment choisir un cadeau de Noël. Et pour ça, j'ai fait mon petit top 5. Le numéro 1, la stratégie la plus simple, c'est celle de ne pas offrir de cadeaux, tout simplement. Alors, la plus simple dans le sens où ça te demandera le moins d'efforts et que tu pourras peut-être essayer de te justifier, je ne sais pas, en disant que tu es adepte de la décroissance, que tu avais cru comprendre que c'était un Noël sans cadeau, mais évidemment cette stratégie n'est pas la meilleure et c'est pour ça que c'est la dernière, donc le numéro 5, tout simplement parce que tu vas pouvoir découvrir à cette occasion que potentiellement il est possible de ne plus être invité à une réunion de famille. Voilà, donc vraiment cette stratégie faisable. Si tu n'as plus envie de voir ta famille, et si tu es un adepte effectivement de la décroissance, plutôt que de parier sur rien du tout, parie peut-être sur quelque chose de recyclable, de recyclé, quelque chose de durable, quelque chose que tu vas pouvoir trouver entre les brocolis et les graines de chia dans ton épicerie bio, mais trouve quelque chose vraiment, c'est mon conseil. Donc réfère-toi au top 4 finalement des meilleures stratégies pour trouver un cadeau. Top 4. Le recyclage. Et quand je dis recyclage, je n'entends pas recyclage au sens de l'environnement. J'entends recyclage dans le sens où tu récupères un cadeau que tu as reçu il y a un an ou plus. Tu as le stocké dans un placard s'il ne te sert à rien, qui est vraiment inutile, et que tu décides de le réemballer pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui n'aura pas plus d'utilité que toi pour cet objet. Alors si tu fais ça, sache que tu es un monstre à mes yeux. Mais si tu veux bien le faire, voici mon petit conseil, mets un post-it sur les cadeaux pourris que tu reçois, afin de savoir de qui ils viennent. Comme ça t'évitera de l'offrir à la personne qui te l'a donné, ou de l'offrir à quelqu'un en la présence de la personne qui te l'a donné. Donc on s'en rendra moins compte. On pensera juste que tu as mauvais goût. C'est la technique de la panique. Globalement, tu rentres en courant dans un magasin, tu es paniqué, tu ne sais pas quoi faire, tu prends le premier truc qui fait de la lumière et qui est mis en évidence, ou alors tu demandes à un vendeur ou une vendeuse quel est l'objet qui est à la mode en ce moment, tu le prends et tu rentres chez toi et tu viens de découvrir la meilleure méthode pour être sûr qu'il y aura des doublons parmi les cadeaux de Noël. Et en plus, qui ne seront pas du tout personnalisés, qui peut-être ne plairont pas. Donc, stratégie encore moyenne hein, quand on arrive sur le top 3. Alors, presse-toi pour plutôt essayer de mettre en place les stratégies 2 et 1, même si c'est peut-être déjà un peu tard. Alors, quatrième méthode, notre top 2. C'est la technique la plus compliquée à mes yeux à mettre en place, mais aussi celle qui a le plus de chances de faire éprouver de la joie à la personne qui recevra son cadeau. C'est une technique de planification. C'est-à-dire que pendant un an, tu as ton Excel, tu as un papier, quelque chose. Dès que quelqu'un avec qui potentiellement tu as passé Noël, un anniversaire, quoi que ce soit, est en ta présence et trouve quelque chose de beau, de bien, ou qu'il dit avoir envie de quelque chose, tu le notes. Alors le petit point en plus, c'est quand même de pouvoir vérifier si dans l'année il décide de se l'offrir ou que quelqu'un d'autre lui offre, potentiellement le rayer, histoire de ne pas faire doublon, on rappelle. Donc tu le notes, et le moment venu, tu l'achètes, tu l'emballes, tu lui offres, la personne le découvre, est heureuse parce que c'est quelque chose qu'elle veut, et encore plus que tu es vraiment un planificateur à long terme, potentiellement qu'elle a oublié qu'elle t'en avait parlé. Et alors là, c'est génial parce que c'est un cadeau surprise, c'est un cadeau désiré, donc joie. La cinquième méthode, le top 1, la meilleure méthode, la mienne, tout simplement, c'est celle de l'accumulation. Moi, je suis tel un dragon veillant sur son or, je suis un dragon veillant sur un tas de cadeaux. C'est-à-dire que j'arrive dans un magasin, par hasard, à n'importe quel moment de l'année. Il y a quelque chose que je trouve bien, ou alors qui me fait penser à quelqu'un parce que je pense que ça lui plairait bien, ou autre. Je ne sais pas encore si je vais avoir des fêtes, quelque chose avec cette personne dans les années à venir. Enfin, si je l'apprécie, j'espère quand même que dans les années à venir, je vais l'avoir. Mais je l'achète. Je le fais mettre dans un paquet. Et je l'accumule chez moi. Donc, il y a toujours chez moi un endroit
empaqueté ou non empaqueté, des objets que j'ai prévu d'offrir et que je ne vais pas utiliser, que je sais juste qu'ils sont là. Alors, la petite difficulté du truc, c'est que globalement, il faut te souvenir de ce que tu as mis dans les paquets. Parce que le cadeau que tu as pensé qui serait vachement bien pour ta tante, il faut pas qu'il arrive par accident, je sais pas, à ta copine, parce que potentiellement elles n'ont pas les mêmes goûts. Donc souviens-toi, potentiellement Marc aussi, le possible, très important, à quelle personne tu penses, ou alors au moins quel objet il y a dans ce paquet que tu as acheté il y a 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Méthode bonus, la méthode Cogit. Eh bien, c'est tout simplement d'offrir un livre en s'inspirant d'une de mes vidéos de présentation littéraire qui sort chaque premier dimanche du mois. Donc, n'hésite pas à aller voir les vidéos, appuyer sur les liens pour commander un livre à offrir, parce que vraiment, ils sont tous excellents. Alors, tout d'abord, bonne chance pour Noël, pour aller acheter les cadeaux. Il te reste moins d'une semaine, donc go, vas-y. Et je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à te désabonner, à te réabonner. Globalement, l'état final de ton compte, ça doit être je suis abonné à Cogit, j'ai commenté toutes ces vidéos, j'ai liké toutes ces vidéos, ou au moins celle-là. Mais surtout à te rappeler que faire des cadeaux, c'est au moins aussi cool que d'en recevoir, alors autant bien faire les choses. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!